Le prince Harry et Meghan Markle ne passeront pas Noël à Sandringham avec la famille royale britannique. D'ailleurs, le roi Charles III aurait pris une décision de Noël radicale à l'égard des Sussex. Le conflit entre les Sussex et la famille royale a atteint un seuil critique. L'invitation du prince Harry et de Meghan Markle à Sandringham pour Noël, la décision du roi Charles III à l'encontre des Sussex pour Noël, le conflit entre les Sussex et la famille royale britannique a atteint un seuil critique. Différentes actions venant du prince Harry et de Meghan Markle ont contribué à creuser ce fossé qui semble maintenant sans fond. Outre l'interview à Oprah Winfrey ou encore les documentaires des Sussex à Netflix, les ouvrages Spare et Endgame n'ont aucunement amélioré les choses. Pourtant, juste avant la sortie du livre Shock Domid Scobie, il y avait une lueur d'espoir concernant une éventuelle réconciliation. Après tout, l'appel entre les parents d'Archie et Lilibet et le roi Charles III annonçait de bonnes nouvelles. Selon les informations de Page 6 d'il y a quelques jours, Harry et Meghan réservaient une surprise de choix au monarque. Il s'agissait d'un coup de téléphone spécial au roi Charles III avec les Sussex au grand complet pour adresser leurs vœux de Noël. Malheureusement, il semblerait que ce soit juste une goutte d'eau lancée dans une forte braise. Dernièrement, la rumeur courait que le duc et la duchesse de Sussex pourraient être invités à Sandringham. À condition, bien sûr, de signer des clauses de confidentialité. Rumeur ou pas, il est clair que la confiance est bien rompue entre ces deux familles. Roi Charles III, une décision radicale à l'encontre des Sussex. Le 14 décembre dernier, une source a déclaré à Vanity Fair que l'hostilité de la famille royale contre les Sussex était à son comble. On serait arrivé à un point où le prince William et Kate Middleton refuseraient d'être dans la même pièce que le prince Harry et Meghan Markle. De son côté, le roi serait traumatisé par le fait que les Sussex puissent encore divulguer d'autres secrets de famille. Ce qui fait qu'il aurait décidé de ne laisser les Sussex venir au Royaume-Uni sous aucun prétexte pour Noël. Une évolution de situation qui va encore dans la direction opposée à la réconciliation. Just need